Ok. Parti chercher de l'eau. Je suis revenu avec une glace, je comprends jamais ce qui se passe. ASMR time, les gars. Les gars et les filles, hein, j'oublie tout le temps, hein, désolé. Bon, il va y avoir des trucs pour le 14 juillet, pour demain. Moi, je serai pas là. Hein. Mais. Pipi partout. Non, mais il va y avoir des trucs demain pour le 14 juillet sur QSMP. Moi, je serai pas là, mais du coup, les autres, je pense, seront là. Ça ressemble sur le Discord. Un petit moment de musique. Je fais pipi partout et j'en ai foutu partout. Je fais pipi partout et j'en ai foutu partout. Non 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 non. Je fais pipi partout. Non 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 non. Je fais pipi partout. Ma femme va me niquer. Je fais pipi partout. Je vais devoir tout nettoyer. Je fais pipi partout. Ma femme va me niquer. Je fais pipi partout. Je vais devoir tout nettoyer. Je fais pipi partout. Je fais pipi partout. Et j'en ai foutu partout. J'ai vraiment l'impression que je chante, c'est moi qui chante là. Et j'en ai foutu partout. Pour le coup, celle-là, elle est bien faite, Faster. Celle-là, elle est très très bien. Bel organe. Et je pourrais sortir un CD, hein, vu que tout le monde fait de la musique, là. De finir par faire. Hein. C'est toi qui chantes de base? Pourtant, on dirait ma voix. Futur hein. Disque d'or. 900 racks. Après, avec IA, c'est ma voix, mais ça marche très très bien. Mais je pense que c'est parce que le son de base est bien, quoi. Donc, c'est difficile en mangeant une glace. Ouais, Luke Zerator a fait un album, mais pas écouté encore. On peut trouver la musique. Dans de la discothèque du coin, la plus proche. Ouais, faut dire welcome back, effectivement. Merde. Merci, Brunax. Bon. Faut qu'on réussisse ça. Allez, au go. C'est froid, putain. Ouais, plus que la gamme de mes enfants, ouais. Elle fait pipi partout. C'est froid, 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 froid. Blah, blah, Elle va faire une musique sur ses froids plus un.
Le froid bizarre. Le feu fait froid. Je vais faire pipi partout. Ah. Une noix de saison de liqueur. Quand il y aura une vraie nouvelle version de Minecraft. Est-ce qu'on a de la rotation de ce côté? Non, hein, on va la faire descendre. J'ai besoin du bras. Oh, c'est parfait, ça arrive là. C'est considéré comme un bloc, ça, hein, je pense, ouais. Pas le bon. Ah, pipi partout. Okay. Et on va faire les liaisons dangereuses derrière. Ah, c'est la partie un petit peu chiante. Ouais, c'est bon, ça va tourner dans le bon sens. Et... Oups. Et là. Est-ce que ça marche, ça? Je sais jamais. Je crois que non, hein. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Mais sauf qu'on veut pas le faire dans le mur là. Ah, c'est un poil chiant. Bah, on va le faire. Ah ouais, merde. Là, j'ai le mur. Ouais, double gearbox, hein. C'est pas le plus joli, mais c'est pas grave. On va faire double. Faire double gear. La boîte prend à travers, de toute façon. Ça prend à travers, je crois. Ok, la partie chiante maintenant. Je peux pas aller trop loin parce qu'il y a l'autre usine à côté. Ok, parfait. Ok. On a un autre qu'on doit alimenter comme ça, c'est celui-là qui a la même hauteur, donc c'est parfait. Et faut juste que là on mette une grosse roue. Qu'on mette. On va se débrouiller. Un speed! Ah, mais en vrai, c'est nickel, regardez! Oh! Oh, perfection! On va juste mettre un peu moins vite pour savoir si ça tombe dans le bon sens. En fait, on pourrait le mettre là, hein, c'est encore mieux d'ailleurs. OMG. Alors, ça c'est normal.
Voilà. Ok, les roues tournent dans le bon sens. C'est si parfait. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Le truc qui est pas parfait, c'est pour ça, mais bon, c'est pas grave. Ok, cette partie-là, on est good. On va mettre une petite lumière derrière. Let's go. Hop, ici aussi. Ah, parce que là, on est obligé de... Comme ça. Ok, donc là, ça... J'en peux plus. Donc là, c'est bon pour la glowstone, et ce bras-là prend la glowstone ici, la fout ici, et il faut qu'on alimente ce bras-là, mais ça devrait pas être un problème qui prend la glowstone, qui la fout ici. Faut qu'on s'occupe maintenant... Est-ce qu'on peut mettre un filtre sur un dépôt? Je crois pas. Hein. Donc il faudrait qu'on mette un deuxième bras. Un deuxième bras, mais on peut le mettre. Dépose ici. En fait, là, il va falloir qu'on recroche. Faut qu'on aille plus haut. Même là, je dirais là. Ok, parfait, perfect. Reflection. Ok, faut qu'on mette un mur en haut, voilà. Ah, la difficulté va être là, mais on devrait s'en sortir. Donc là, on va avoir besoin d'un deuxième bras qui vient chercher cet item ici et déposite. Ah, merde. Range limitation, c'est celui-ci qui est en range limitation, je pense. Ok. No problemo. Donc ce bras-là, il prend notre rosinque ici. Et il va l'amener là-dessus. Et on va grinder notre rosinque. Et en sortie de notre rosinque. Rosinque. Quand on le grind, on obtient du crochet. Et le crochet, quand on le passe devant... Devant l'eau, c'est 25% de chance. Bon, on obtient du zinc en rame, mais est-ce qu'on va pas le brûler, le zinc? On s'en fout, on en a assez, hein, je pense. Dommage que le rosinque, il n'y a aucun moyen de... En vrai, on peut mettre de l'azurine aussi. Hein. XP, on va la jeter, on en a rien à foutre. Hein. Je sais pas. Voir si on la jette ou pas. Le truc, c'est que là, il faut qu'on filtre. Trop voir ce qu'il y a là-dedans, mais c'est pas grave. On fasse autrement. Ou ça, il aurait fallu le mettre plus haut. Ah bof, hein. C'est vrai qu'il faut qu'on relie ces merdes aussi. Si on est un plus haut, c'est bien ou pas? On va brûler le surplus, parce qu'on va pas s'en sortir. Merci Heather. Ça va faire un peu d'XP, mais c'est insignifiant.
Donc en vrai, là, c'est pas mal. Hormis que le surplus, faudrait que je fasse une pente, hein. Je peux pas vraiment faire une pente. Le surplus, je le balance dans la lave là, hein. Ouais. Imhotep, hein. Ça va gêner, ça, je pense pas. Du coup, gunpowder uniquement. J'en ai, je pense. Bien mis là, je suis pas sûr. Et il nous faut un mechanical arm. On va avoir besoin d'autres. Faisons-en quelques-uns. Allemand, ça s'avère très utile, hein. Take it time. Deposit. Si on le met genre là. C'est parfait! Parce qu'on va se servir de ça pour la jonction. En vrai, c'est bon, c'est trop bien, c'est trop bien. On l'a fait derrière, ouais, c'est mieux. C'est pixel. Juste là, va falloir faire. Ah, il y a ça qui me gêne, bah on va. Ça veut pas là. Ok. Ok. Okay, c'est pas mal. Donc ce côté-là, il est good. Ça pour éviter les problèmes. Ah oui, il faut que je le wash. Ah ouais, vous avez raison. Ah ouais, du coup, en fait. C'est pas gênant. Il va juste être ici. Bien vu, bien vu. Faut que je souffle non pas là, mais ici, je crois, ouais. Donc, faut que je grind mon. Faut que je teste un grind de ça là. C'est ça, mon rosin que je dois grind. Ouais, si je le mets là, c'est bon. Ok, lui est pas alimenté, mais normalement ensuite il met là-dedans. Parfait. Donc là, on laisse passer que ça. Et ensuite. Ah, mais sauf qu'on a du byproduct de ça. Ouais, en fait, c'est ça. Une fois qu'on le passe dans l'eau, c'est ça plus ça.
On peut mettre un... Ok, je sais, je sais, je sais. C'est un bordel, mais on s'en sort. Attendez, on va changer le filtre là-haut. On peut pas mettre des filtres d'ailleurs sur les... C'est pas grave. On va pas se tromper dans ce qu'on met, mais au pire, c'est pas grave, il prendra pas parce qu'il y a, un filtre qui est là. Donc c'est pas gênant. Faudra qu'on mette des... Je sais pas si on peut mettre des recipe filters en... truc, mais... Ok, alors, un petit filter et un filter, et on va faire un deny list parfait de gunpowder. Hello, ma gunpowder! Non, mais je vous jure, on va y arriver. On est bien en deny list. Donc, tout ce qui n'est pas de gunpowder passe là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est un autre dépôt ici présent avec un fuck de poche, évidemment. Mais surtout, ce faisait déjà ici. Ça, tourné dans l'autre sens avec un filtre de type... Je sais pas si je l'ai appliqué, je crois pas. J'arrive pas à le voir. Impossible à foutre le filtre là. Ah, nique le tank. Hein. Non, pas un. Voilà. What? Donc il y a pas un. On devrait mettre, vous savez quoi, on devrait mettre un tunnel ici. Ça, c'est une sécurité comme on les aime, regardez. Je dois avoir plein de tunnels, mais je les trouve plus. Où sont mes tunnels? Vous les voyez? Dites-moi, vu. Vu. Ok, merci. En vrai, non. On va même le mettre. Ah, mais on voit plus la lave, du coup. Ouais, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'on a comme byproduct? Ah, oh, mais non, mais ça sert à rien. Bon, ah, c'est bon, les gens mettront pas de la merde, hein, tant pis. Sinon, ça recramera leur truc et nique. On va sortir ça et l'arme là. Là. Qu'est-ce que je voulais mettre? J'en ai plus beaucoup de ça. Ah oui, elles sont là. C'est juste pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent dessus. Donc là, on s'en fout, hein. Il y a tout ce qu'on veut qui sort. Et là-haut, c'est uniquement... Non, pas du crushed. Après, là-haut, non. On a dit du rosinque ou de l'azurine, hein, je crois. Hein. C'est ce qu'on avait dit, hein, parce que je pense qu'on peut utiliser de l'azurine aussi. Pour faire ça, c'est azurine... Ou rosin, quoi. C'est les deux seuls trucs qu'on aura. Par contre, j'ai plus de filtre. J'ai plus de laine. Donc, allo list. Je l'ai pas pris. Holo.
Ozink, Azurine, ok. C'est ce qui peut aller là-dedans. Donc on le grind. Il se transforme en plein truc. Ici, on prend que le rosinc. Et non pas le rosé. Et ensuite, ça passe ici. Là-dessus, on filtre en deny list de la gunpowder. Tout le reste, il passe et crame. Et la gunpowder sort ici. Et donc, du coup, ce bras, on le repositionne. Il prend from here. Et now we here. Tout à fait. C'est parfait. Il nous reste à faire... Là, une petite montada. Hop. Et des petits trous. Toujours des petits trous. Et on est good. Ok, cette partie-là est alimentée. Ça commence à avoir de la gueule, quand même. Non ? On mettrait pas une lampe là-dessous, ça va gêner. Pas besoin de lampe, là. Donc, le souffleur à eau qui doit être ici, on a dit. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ça souffle ici. Donc, il faut relier tout ça. C'est quoi, d'ailleurs ? Je ne me souviens jamais du nom. Fan. Putain de fan. On va faire quelques-uns. Piou ! J'ai trop de trucs dans mon inventaire, je deviens fou. Meub, minerai, même si c'est pas vraiment du minerai. Oups, mauvais sens. Ok, donc lui, il va falloir l'alimenter. Il faut qu'on alimente... Est-ce qu'il y avait... Il y avait un tapis juste au-dessus? On va alimenter les deux, pareil. L'un au-dessus de l'autre, c'est parfait. Pareil, on peut le faire avec des petits trous. Ok, là, ce truc-là... On aurait presque pu l'alimenter par là, mais non. On va récupérer... Faut qu'on aille regarder derrière. Merci à Kitsuni. Merci Scapoltiki. Ok, donc là, on a la giga-rotation. Est-ce qu'on a la rotation moins élevée, quelque part? Là, c'est la giga. Fuck. La rotation moins élevée, elle est là. Ok. Donc. Oudame, c'est compliqué. Parfait, la moins élevée, on va la prendre là. Oh, c'est juste à côté du mur. Bah, on s'y retrouve bien. Ça tombe dans le bon sens. Non. Donc, faut qu'on remette un inverseur. Et ça souffle maintenant dans le bon sens. Et ça tourne dans le bon sens. Parfait. Il y a ici aussi... Ah ouais, mais lui... Ah si, si, on peut le récupérer là. Ok, parfait. Donc lui, au final, ça, on va le mettre ici. Parfait. Ça change rien. Ça tourne toujours dans le bon sens. Il doit y avoir un truc sur le tapis qu'il faut que je récupère. Bingo. Et dites-moi que ça tourne là aussi dans le bon sens. Non. Il faut qu'on l'inverse. Ok, donc là, parfait, on monte. Et maintenant, il faut qu'on amène l'hyper vitesse, mais plus haut, parce que c'est pour les grosses roues. Qui sont une là, et l'autre là. Hop, hop. Hop. Ouais, on l'a juste ici.
Hop, hop. Par contre, j'ai aucune idée de si ça sera dans le bon sens ou pas. Ça a l'air dans le mauvais sens. Ouais, c'est dans le mauvais sens. Qu'on met un inverseur. C'est ça, hein? J'arrive pas à voir, ça tourne trop vite, putain. Let's go. Hyper vitesse! Peu d'éclairage. Reste plus qu'à mettre l'eau ici, à mettre de l'encasing là, et à tout boucher. Ah, lui! Faut qu'on relie lui. Oh, bah parfait, regardez. On a ça ici. Et double, et on est bon. Faut juste pas que l'eau passe partout. Ouais, l'usine, on va pouvoir la finir ce soir. C'est l'objectif. Qu'on a ici. Comme ça. Ok! Ça a l'air relativement bien, là. Ça souffle. Alors, on peut essayer, si vous voulez. On va essayer avec, genre... mettre 10, hein, histoire de... Et vous voyez, il en a encore dans le bec. Donc il en a mis là et il en a encore dans le bec ici pour la suite. Mais c'est instant, hein? What the fuck? Minerai, on va essayer avec un peu de rozinc. Et on l'a vu partir là-haut. Ça grind. L'XP est cramé. Et. Ah merde, là j'ai mis tout sauf de la gunpowder, mais non. Parce que il faut le temps que ça soit mouillé. Je suis trop con. C'est-à-dire il faut tout sauf gunpowder et crochet de... Parce que sinon ça part directement dans la lave. C'est reparti. Ok, ça bosse. Ça a produit un gunpowder? Genre, on a été unlucky à ce point-là? Et l'azurine? Je sais plus c'est quoi les taux? Ça aurait dû être plus, non? On s'est fait un peu enculer, non? Sur 4, j'en ai mis 16. Là, le stack en a produit que 15, là. On en a 4, ok, ça va, ça va. Ça va. C'est ça, le seul truc, c'est que ça... Pour avoir plein de gunpowder, ça va être compliqué, hein. Faudrait que je trouve des gros filons d'azurine. Je sais pas où ça se spawn, l'azurine. Bah en vrai, c'est propre comme. Juste amener masse rozinc. Mais le rozinc, c'est pareil. Il faudrait que je connaisse à quel endroit ça spawn.
Garder le zinc créé, ben le truc c'est du zinc, bon. J'en fasse. Le zinc ne sert qu'à une seule chose, à produire les. On pourrait, hein, mais bon. C'est moins 30 et 70? Ok. Non, accélérer le ventilateur ne change rien. Ça change juste la distance du ventilateur, mais pas la vitesse de traitement. Non, les urines, on peut pas en créer, mais. Non, en vrai, je pense que ça se mine assez facilement. C'est vrai qu'on n'a pas de stockage pour la gunpowder générée. C'est la seule chose qui me fait peur. Après, ceci dit, tant qu'il restera de la gunpowder ici, tu vois, ça va se mettre en hold, le truc. Quoique, si ça peut pas être avalé par là, ça va continuer, non? C'est pour ça qu'il faut absolument que je fasse un tunnel ici. Ouais, c'est super important. Le tunnel ici est super important. Par contre, je sais pas comment on va le configurer. Je pense qu'il faut que j'enlève cette roue. En fait, il faut que je configure l'entrée. Et tu me diras, ici, il n'y a pas de filtre. L'entrée doit être tout sauf du crochet. Non, c'est du crochet qu'on a ici? Oui. Ah, parce que le truc, c'est que ça produit des nuggets. Ah, le zinc en dessous, vous voulez que j'utilise? Quand on le mouille? On s'en fout. Mais par contre, là, faut que je fasse ça. Non, non, une usine à creeper, c'est non. On est sur un serveur modé, donc. Si on met ça, on est sûr que ça part pas là-dedans. Même si c'est plein, du coup. Du coup, on est bon. Du coup, ça empêchera de crocher plus s'il peut pas le déposer en dessous. Et en dessous, quoi qu'il arrive, ça sera aspiré. Donc c'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut essayer à gros volume, si vous voulez. Se lève à chaque fois, ça me fait peur. Attendez, on va essayer de voir si ça marche, mais normalement, ça devrait marcher, ça devrait marcher. Tac, 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 tac. Merci, Flagiel, merci Kitsuna, tout à l'heure. Azurine. Ce que j'ai à balle, c'est du Viridium, ça doit spawner plus bas. Donc là, ça va overflow. Ok, là il y a du crush 5 or. Voilà, donc c'est bon, ça fonctionne. Et le crush 5 or, et tant qu'il ne peut pas descendre, ce qui est le cas ici, après il va descendre d'un coup. Ok, ça fait un peu de gunpowder. Après, ça va commencer à s'arrêter parce qu'il est plein. Et là, maintenant, c'est sûr, c'est mort. Ça va plus bouger. Ok. Pas mal. Le truc, c'est qu'on a effectivement pas de buffer de gunpowder, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu fous ça là-dedans, en fait. Pff, ça a déjà presque tout avalé, hein. Donc, c'est juste, tu fais les potions en instantané. J'ai mis un gros stockage ici, mais ouais, il faudra que je. Enfin, ça sert à rien, j'aurai jamais stockage là, c'est juste pour la beauté du truc. De toute façon, je sais même pas comment. Je pense pour les sortir, on les sortira sur un côté là. Discretos.
Oui, non, mais tu peux faire de la gunpowder, mais il faut de la netherrack, donc c'est non. Le problème, c'est ça, pour faire de la gunpowder, bon, il faut des potions d'instant damage, donc déjà, un problème. Il faut ça. Et un spawner araignée et tout, c'est ultra chiant. Et il faut du cinder floor, il faut de la netherrack, et on n'a pas la don pour transformer la cobble en netherrack. Voilà. Quand on aura le Nether, oui, pourquoi pas. C'est qu'on peut faire un chute sur un backpack, mais je crois qu'on peut pas prendre dedans. C'est pas grave. En vrai, moi, ça me plaît comme ça. Donc, cette partie-là, is ok. On va juste mettre une petite lumière là-haut. Là. Voilà, comme ça, c'est joli. Ça rajoute une petite lumière. Nous reste plus qu'à faire les champs. Donc on a fait cette partie-là, à savoir glowstone, gunpowder, et là il faut nether wart et glistering melon. Donc les champs, on va les faire là derrière. En visible de loin. C'est parfait. On va agrandir la salle. Ah ouais, normalement on peut produire de la netherrack à l'infini avec de la lave et on a une très bonne solution pour faire de la lave. Donc on va laisser là ces poteaux-là, ce sera bien. Un petit contour. Mais vu qu'ils n'ont pas mis l'extension. Ma machine, le précision mécanisme. Ouais, je crois que. Je sais plus si on l'a fait en live. Oh, elle est pas trop compliquée à comprendre. Oh non, les champs, c'est pas ce qui va nous limiter. On va faire un stockage pour les pumpkins. C'est vraiment pas ce qui va nous limiter. Pour les pumpkins, pour les. Vous m'avez compris. Il faut juste que je vois. Est-ce que je fais la netherrack? On fait un truc qui tourne là. Ça va tourner en continu. Ça va marcher ça. Par contre, on a l'or qui va être là, donc on va les crafter là-dedans. On va faire les champs un peu au centre et on va faire le stockage sur le côté. Après, il faut faire tous les contrôles de mise en route et d'arrêt. Je pense qu'on va faire un bouton on-off sur cette usine. On va pas s'emmerder parce que. Autant je peux le faire sur certains stockages, mais. Par contre, il faudrait qu'on le fasse sur. Non, même ça va s'arrêter automatiquement. Ouais, même ça va s'arrêter automatiquement. Ok, voyons voir. On fait des champs de combien? Bon, pas très gros non plus, hein. Bon là, attendez, il va falloir qu'on remplace le mur. Un mur qui brille. On fait. Mettrai one boudé parce que là ça sert à rien. J'ai d'un côté du granit, de l'autre côté pas de granit. Donc ça sert à que dalle. Useless as fuck. Bah les champs on va voir. De toute façon faut qu'on fasse un stockage de chaque côté. Mais sauf que la Nether Wart. C'est le seul truc chiant, c'est que la Nether. Ouais, on va voir comment on la délivre la Nether Wart. Ok, ça c'est notre stockage Nether Wart. Comment on peut faire ça bien? On va faire le même en face. Oups. Stockage glycérine melon.
Ok, ok. Comment on va faire ça bien? Ça, c'est facile. On va mettre... Je creuse encore. On va creuser encore un peu. Merci Sourif. Merci Redal. Moi, des verrues, j'en ai. Au pire, je demande... Je crois que j'en ai dans nature, non? Moi, j'en ai 3. Ça se bonne 1000 pas, c'est chiant. Je demanderai à... quelqu'un qui en a. Il y a forcément quelqu'un qui en a. Pire, vous savez quoi? Elles sont où? Autour de ma maison, j'en ai peut-être un petit peu, ouais. Ok. Bimba. Oh. Boum, 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 boum. Parfait. C'est con, j'avais tellement de rosin. Mais on ira en miner du rosin si on a besoin. Alors, il nous faut des dépôts. Hop. Ici présente. Et là. On va fonctionner de la même façon, je pense. Juste pour l'amener, ça va être un peu chiant. Et il nous faut. Dans l'autre sens. On va essayer de pas polluer. Est-ce que j'ai de la pastèque? J'ai pas de pastèque. Si je l'ai en nourriture, forcément. J'ai pas de pastèque. J'en ai pas. Non, non, là c'est mon usine à propos de huile. La winery, on commencera la semaine prochaine. Pensais que j'ai foutu dans quel coffre. Je crois pas que j'en ai. Oh mais là par contre il doit avoir du melon. Même pas, il y a du vin. Par contre je sais où il y en a. What? Ok. Je pense qu'ils sont pas arrosés mais normalement ça saute pas. Bon bruit. Bizarre. Ta 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 ta. T'as instant herbe, je pense que c'est juste un bug. Non, mais même en l'ayant update. Ah, il y avait peut-être un problème de lumière d'éclairage, mais ça aurait pas dû instant herbe. Bizarre, bizarre. Ouais, ah, par contre, des graines de pastèque dans mon backpack, c'est fort possible dans nature. Non, c'est des cocoa beans, mais si, il y en a ici. Voilà, parfait. Donc, faudrait limite qu'on fasse une... On verra pas parfaitement les fermes. Quand on arrive ici, on verra juste ça derrière. Faudrait un sol en verre, un peu de verre ici, en fait. C'est plus sympa. Donc, comment on va faire?
Alors, pas trop se questionner. On peut... Je sais pas construire au bon endroit celle-là. 4, et là on peut faire 1, 2, 3, 4. Ouais, avec une transi au milieu, parfait. Ça suffira. Bon, tant pis, toi tu bouges. C'est si long à pousser ces merdes. Est-ce qu'il me reste une houe? Est-ce qu'on aurait gardé ça? Non, mais on a... Non, la Paxel marche pas. Parti pour faire une houe. Faire une houe en caillou, mais non, on dépense du fair. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai possiblement un problème de lumière. On va juste se mettre nos meilleures lumières. Par contre, je crois que pour la Netherwart, c'est pas l'inverse. Faut pas qu'il y ait de lumière. En vrai, ça paraît pas suffisant, mais ça va l'être. Hein. Par contre, c'est juste pas. Je peux pas faire un truc qui tourne. Hein. On va un pro... Je peux faire un truc qui se déplace comme ça. Ouais. J'ai un peu peur de... On va faire plus, hein. Je dis pas, on va faire des champs plus grands. Des champs plus grands. C'est quoi la portée max des ventilateurs, des encase fans? C'est 15, hein? Qui sont mes fans? Il me semble que c'est 15. Tout ça, on va détruire, c'est rentré dedans, bah let's go. Plus moi. On va changer de côté. On changera ça après. Oh, ça pousse. J'ai plus. Personne ne sait là. Oh, les techniciens là, ils sont où? C'est quoi, c'est en KZ fan? Ils le disent la max range ou pas? D'ailleurs, ce qu'ils disaient, voilà, c'est la range. Range max en KZ. En KZ fan, max range. Bla 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 bla. Non mais c'est vraiment pas écrit? Vraiment pas écrit.
Genre sur le wiki, qu'est-ce que cette merde? Oui, ben oui, ça dépend des RPM, mais au max RPM, c'est combien la range max? Et c'est pas écrit sur le wiki 20? Okay, let's go alors. Avant. À 256 RPM. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va faire 10, hein. Les champs vont être immenses, sinon, après. Après, on n'a rien par là, donc on peut... Non mais je m'en fous, je vais les faire tourner vitesse max quoi qu'il arrive, donc on va faire 15 plus ça, ça fait 16. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, et plus celui-là, 16. Ok, donc les fans vont être là. Parfait! C'est parti pour creuser. Faut que je réactive mes magnets là. Oh, l'énergie n'est pas un problème. Un peu overkill, mais bon. Let's go. J'ai pas assez de grain. Voilà, ça va... on refera après. Petit coup de bonne mille, comme ça on aura ce qu'il faut. Hop. Hop. Ah, on re-entend les sons interdits. Merci. Graines de plus. Parfait. Pour se souvenir où sont les graines, on va pouvoir laisser pousser pendant qu'on construit de toute façon. En fait, pour les pastèques, c'est largement suffisant. Pour la netherwart, c'est bien. Même si notre champ est deux fois plus grand. Bon, maintenant, on va devoir construire une chier de... de ce truc-là, là. Où est-ce qu'ils sont? J'en avais... Je sais plus où ils sont. Ça, les drills. Drill. Par contre, on va pas les faire tourner vite, parce que...
Je consomme à balle. Il est creusé là. Possible d'écrire la description d'épisode, la date des lives. Ah! Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque on avait fait ça. Non, mais je vais finir par ajouter la date sur mes streams, hein, comme ça on va le voir. Hein. J'avoue, j'en ai aucune foutue idée. Mais ouais, je vois le truc, mais... Alors sur le stream, c'est super cool pour les VOD. Y a un plugin pour ça? Genre comment on peut ajouter ça? Plus... Quoi qu'on utilise? Afficher... Heure sur stream. OBS. Le live de l'épisode d'aujourd'hui, il a peut-être... Non, il a pas plus de 2 mois. Ça doit être début juin. Ok. Ok, si je fais ça. Ah mais non, mais merde, c'est une iframe. Comment on insère une iframe dans OBS? Merci Sidops. Vas-y, c'est chiant, y a pas des outils pour faire ça, là! C'est pas censé être simple, bordel de merde! Pourquoi un truc aussi simple, c'est difficile à faire? Casse les couilles! Non mais Streamlab OBS c'est de la grosse merde. Ah mais une web source, mais il faut que je mette mon fichier. Ma web source c'est bien gentil, mais il faut que je la mette chez quelque part. Ah si je fais ça. Ah ouais non, vous avez raison, attendez. Ok, si je fais ça. Ah mais le fond est dégueulasse, attendez, faut que je mette transparent. Go back. Ok. Go back. Ok, maintenant si je fais ça.
On le voit pas du tout. Putain, heureusement que j'ai dit en bold, hein. Ah, vous êtes content comme ça? Genre un t-shirt noir, on le verra pas. Hein. Je le mette en blanc, non? Ce sera plus visible. Je sais pas, je le fous. Faut que je mette une box shadow, attends. Je peux pas faire. En blanc. FF, comme dit le truc. Et si j'ai un fond blanc, ça se verra pas, tu vois. Ça va, vous kiffez comme ça ou pas? Viens! Bah, box shadow, je sais pas comment ça marche. Hein, Me demandez pas des choses trop complexes. Va mettre de l'autre côté des lumières. De la même façon. En vrai, ici, ça, on va pas la mettre. On va full encased. Et du coup, là, nous allons continuer. Là, on est presque au bout. Hein. Putain, Pomme est toujours pas là. Bah. Pomme est peut-être pas là aujourd'hui en fait. Pomme est là? Non, y a pas de QNPC. Ah, c'est neuf, Pomme, non? Hein? C'est pas neuf aujourd'hui? Je vois pas de QNPC 9, les frérots, hein. M'a menti? Déco recours? Problème. Mais je vous croive sur parole, là. Si, si, elle est pas... Ok. Oh, yes, on peut faire aussi loin, c'est parfait. Ok, donc l'objectif ici, c'est on va tout simplement grinder. Va falloir les mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Les melons et les aspirer. Oh, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, tant pis. Oh, ça lag. Ah ouais, faut que je sois en face. On va pas les grinder trop vite parce que ça coûte une chier dessus, ça.
Fuck, je savais que ça allait faire ça. Ah, parce qu'il faut cliquer sur le bord là. Ok! Maintenant, la partie la plus rigolote, évidemment. D! Chain drive. Il me manque du fer. Ça refait le bruit! Non, on peut plus. Le bruit qui bug. En vrai, on pourrait peut-être le faire avec un. Vous voulez qu'on le fasse avec des chaînes drive ou avec un. Des petits lassos là? C'est peut-être plus joli avec des lassos? Ça, c'est pas plus violent avec visuellement parlant. Ah, l'économie, on s'en fout, hein, on est riche. On a du pognon! Merci Marco Popo, merci Alexandrine. Donc, pas de problème. Plus visuellement, ce qui est le plus sympa, quoi. C'est rigolo. Ouh! Et donc, là-dedans, de la pastèque. Ok. Donc, côté pastèque, good. Côté Netherwar, ça va être un peu plus chiant à faire, mais on va déjà miner. Je sais pas comment. Ouais, si on va faire le. Non, les ventilos vont pas tourner à la même vitesse que les grinders au-dessus, donc on va gérer. Cette salle est vraiment plus big. Non, j'ai pas fait ma sponsor. Bon, on va la faire. Hein. Sponsor time. S'il y a un overflow de melon, on stoppe la machine. On va faire une commande. On va faire un clutch. Pareil pour la Netherwart. Ok, pas mal. Avant qu'on ait autant de Netherwart, pas rendu, hein. Il y en a qui ont poussé d'ailleurs. Les petits poteaux pour la lumière. Ok.
La Nether Ward va être légèrement plus chiante, mais c'est pas grave. Notre machinerie va se stopper ici. Et on va mettre... Tac, tac, tac. Des casing. Et... C'était les... Est-ce que j'en ai? Oui, parce qu'on a pété la machine tout à l'heure. Autre question. Ah non, c'était celle-là qu'on utilisait. C'était pas ça qu'on doit utiliser. Non, j'en ai pas. C'est cela, là. Des harvesters. 1, 2, 3, 4. Ok, harvester. On a... Ça, on doit l'avoir. J'en ai fait plusieurs tout à l'heure. Ça, déjà, on va refaire. Il faut de la redstone. Je les vois pas, mes gantries. Il nous en faut deux de portables. Il y en a un là. Ok, c'est ici qui va jusque là. Bon, je l'ai mis sur le côté, c'est bien. Ah, quoi que non, c'est pas bien parce que notre connecteur doit être là, parce que sinon ça va pas passer. Not good. Notre portable connecteur se trouve ici. Avec le gantry voilà, ici avec bah, un coffre, on va mettre un double hein, je pense. Oh, je fais des boutons, non c'est bon. Hop, on colle tout ça. Ok, tout est collé. Ok. Je n'ai pas fait un double côté, mais c'est ok. On va calculer le temps que ça met pour aller jusque là, mais ça va être good. Mettre là. Ça. Et là, c'est dommage, on est décalé d'un, mais bon. C'est pas grave. Oui. Merde, faut remplacer tout ça pour que ça soit plus joli. Ouais, redstone connecteur, mais j'ai plus... Après, un chest suffit peut-être, hein. On peut peut-être utiliser un chest et en faire redstone connecteur. C'est vrai qu'on peut le commander ici. Là-bas, ça fera... On peut le mettre vers le haut, peut-être. Je suis pas fan des redstone connecteurs parce que si on se déconnecte pile au moment... Oh, tu me diras, ça devrait marcher. C'est juste ce truc-là, de temps en temps, ça va déconner si on se unlock au mauvais moment et c'est le problème des... Des machines comme ça. Il
Est-ce qu'il est dans le bon sens? Je sais plus dans quel sens. Ouais. Oh là, là, ça émet de la redstone. Ok, et... C'est au niveau du gantry, au niveau arrière, donc ici. Voilà. Là, on détectera, ouais. On aurait pu le faire au sol? Non, bof, hein. Ah, quoi qu'on aurait pu coller au sol? Bon, c'est pas grave, il sera là. Bien, il est aérien. Donc ici, on peut boucher et... C'est particulier, c'est que... Faudrait mettre un pulseur, mais... J'ai mis dans le bon sens ma clean, là. Merci. Gantry Shaft va si loin parce qu'il faut faire bouger ça jusque là-bas. Hop, alors attendez, là c'est la partie chiante. Il me faut... Il va me falloir ça. On va y arriver au bout, on va y arriver. Merci au gamer, merci Ketsuro. Il me faut... Non pas un clutch, mais un... Comment ça s'appelle? Un gear shift. Je crois que c'est un gear shift. C'est quoi le ajustable? Non mais c'est chaîne gear shift ça. Ok. En gear shift. Je croyais que j'en avais mais non. Gear shift. On va faire. Donc là on va foutre un gear shift. Le problème, c'est... Ouais, c'est un swapper. Non, je ne vais pas aller trop loin. Il s'arrête sur les champs, il détruit les champs. En fait, je voudrais un truc qui swap automatiquement. Chaque fois, quand il arrive au bout, il swap. Quand il revient ici, il... Ouais, mais il n'a pas le temps de se vider. Comment on pourrait faire en sorte qu'il swap automatiquement? Non, mais il faut qu'on fasse un séquence aid. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais le séquence aid, il déconne quand... C'est le problème, j'avais vécu ça déjà. C'est le séquence aid, il full déconne quand... Ah, du coup, le connecteur là-bas, sert à rien. En fait, le problème que je vais avoir, c'est que le séquence 7, si je load au milieu d'une séquence, il reprendra pas en mémoire. Et surtout là, faut qu'il ait le temps de se vider, en fait. Même problème. Ouais, ça, hein. Ça, je pense, c'est immuable. Ça se fait forcément avec de la... Non, ça peut se faire de la stone. Oh putain, c'est avec de la stone. Où est ma stone? Je fasse un petit délai, je vois que ça.
Bon, on n'utilise pas un séquence Z, mais bien un gear shift. Le problème, en fait, c'est quand on va clutcher le système. Si on clutch le système pile quand il est ici, ça va fucked up le tout. Quoique non. Non, ça fucktera pas tout. Non, ça devrait aller. Oui, non, parce que ça interrompra pas ça. Non, c'est bon. Ok. On est obligé de foutre un clutch ici, tout comme on foutra un clutch sur cette partie-là, mais on fera après. Et on va... est-ce qu'il va avoir... Il va forcément s'arrêter pour se vider. Ça fait un arrêt au gantry, hein. Logiquement, oui. Oui. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est genre... Ah ouais, par contre, aussi ça, ça marche à travers. Ah, quoi que là, il y a le contact. Ça met pas du courant là. Ok, parce qu'il est en bas. Ouais, truc qui m'emmerde là. Hop. Je devrais tout faire sur du quartz pour éviter les soucis. Ok, lui il est en réception. Ah. Et lui, il est en démission. Je l'ai viré. Tu l'as, hein, ouais, les contacts là. Par contre, ça émet du courant au-dessus ou pas? Oui. Ok, parfait. On va l'appeler comment ça? C'est Champ de Netherwart, hein. Mature, mature, on a bien notre fortune. Transmission, c'est Netherwart. Netherwart. Eh ben, ça met son temps pour pousser. Netherwart, Netherwart. Comme ça, dès qu'il arrive là-bas, boum, ça clutch, ça revient ici, ici, boum, ça clutch, ça repart là-bas, infinito. Et notre fucking clutch, très important ici. Bon. Si on faisait le toit. Petite interlude toit. L'heure du mat, envie de crever. Mais on va finir cette usine de merde. Ouais, vive le quartz. Avec un petit Ast 2. Tout en temps. Ma chérie, en plein Grey's Anatomy, évidemment.
Python D-pad. Ça veut dire quoi, dipped? Des pancakes? Bathroom. What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Au château? Portail du Nether était là, on allait là jusqu'à la dernière fois. J'ai mis Ast 2 ou pas? Bah non. What? Il parle de merde. Oh, j'ai pas pété ça. Le quartz. Oh, on a 1.18. Là, il me faut une petite chute. Hop. Ah, j'ai bientôt plus de chute. Et là, faudra qu'on fasse le... Ah, ceci dit, ça marche de mettre directement en dessous du la storage interface. Ouais, ça marche, hein. Je sais jamais ces trucs-là. Mettre la chute en dessous. Il me semble que oui. Non, le storage interface, je crois pas que ça marche. Ah, ça marche à un seul bloc? Je crois pas, non. Faut mettre 2 d'espace, je sais plus. On va regarder avec le Z. Je vais utiliser à 2, mais si ça marche à 1, je prends. Un à 2 d'espace. Nice. Ah oui, un hors de bloc. Ok, parfait. Bah oui, ça m'arrange. Hein. En vrai, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça c'est clean. Parfait.
Ok, faut qu'on clean l'autre côté. Je peux pas sauter sur ces trucs là. Alors, on n'a plus l'effet du beacon ici, on est trop loin. Ouais, qu'est-ce qui marche? Ah, ça marche. Les déployeurs marchent à travers un bloc solide? Les déployeurs, vous voulez dire les connecteurs là comme ça? Ah, mais j'aime pas, c'est pas joli. Je sais que les déployeurs marchent à travers, ouais. Pas mal de choses qui. Les bras robotiques marchent à travers. Cette usine, elle fait deux fois la taille que les usines classiques, mais c'est à cause des champs, pas trop le choix. C'est imminent, on va pouvoir faire nos premières potions de heal. Le pire, c'est qu'on a fait une giga usine qui, une fois qu'on aura 500 potions, bah on s'en servira plus jamais. Mais bon! C'est des proof of concept, évidemment. Ok, ça c'est good. Bon, pour l'instant, ça pousse ici, le melon. Parfait, parfait. Ici, ouais, ça dépasse de 1, mais c'est normal, c'est pour pas s'arrêter ici. Il nous reste à faire ça. Je vais aller voir Pomme. Non, pas forcément, on l'a vu hier, Pomme. Puis elle est avec Bugs, donc. Ok, il nous reste la sécurité à faire. Hop. Les sécurités. Pas un stock pile. Oui, un stock pile switch. Sauf que là, putain, va falloir qu'on amène encore les trucs. Peut-être les faire passer ici au-dessus. Ici, on pourra mettre un tapis comme ça. Ouais, non. On mettra un tapis en dessous. Ouais, donc on peut mettre ça. C'est pas ça que je voulais. Ranger la glu. Stock pile switch ici, stock pile switch ici. Boum. Switch à 80%, ouais, c'est large. En vrai, de base, c'est combien? Ouais, 80%. Donc, ça, c'est stockage, Netherwart. Stockage, Netherwart. Et l'autre, c'est stockage, melon! Merci, Lacfar! Petite torche ici, hein. Bien. Donc notre clutch, stockage en réception. Stockage. Netherwart! Au fait, le champ a poussé un peu ou pas? Oh là, ça en a donné beaucoup. What the fuck, le fortune s'est pas appliqué tout à l'heure. Là, c'est pas mal. Ok, donc le gear switch fonctionnera à chaque fois de toute façon. Et ah, quoique. Ouais, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faudra juste que ce soit dans le bon sens, mais ça devrait marcher. Faut qu'on relie. Faut qu'on relie tout ça. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on peut pas faire passer. Si, si, on va la faire passer de là-haut, là. J'ai pas mon bras. C'est parfait.
Si belle cette usine. Merci mon kid et Nico. Bon, c'est là que ça va devenir un peu plus complexe. On va s'en sortir. Ok, donc là, on a nos deux trucs d'arrivée. On va dû les faire aller plus loin, mais c'est pas grave. On va utiliser... Utiliser chain drive, chain drive. Ah, sauf qu'il me faut un clutch. On peut mettre un... Ah ouais. Non. On va faire ça autrement. J'en fous dans le sens dans lequel ça tourne ces trucs-là. Ça aurait été un plus bas, ça aurait été parfait. Après, on va clutcher la globalité. Donc, on fout, c'est pas compact. Une descente ici. Où sont mes box? Dépôt, ça on va remettre. Mes gearbox. Ça va farmer le melon. Donc ça c'est good. Il tourne à combien? 256, ça faudrait peut-être qu'on les fasse tourner un peu moins vite. Faut que je fasse un ajustable truc. Bon, alors ceci dit, là-dessus, on a la commande. C'était quoi? C'était stockage. En réception. Stockage melon, hein. Voilà, comme ça, on cut directement. Et c'est parfait. Non, il faudrait que je fasse un rotation speed controller, mais... Parce que 256 fois je sais pas combien là, c'est un peu too much. Hein. Sinon, on utilise les roues. On met une petite into une grande. Déjà, on divise par 2, donc on passe à 128. C'est pas mal. Que j'ai avec ça, c'est comment je fais tourner l'autre truc. C'est bon là comme ça. En 28, hein. Ah, c'est bien.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voyons voir de l'autre côté la gueule que ça a. Voilà, on voit plus rien. Parfait. Ok. Cette partie-là, on est bon. Maintenant, les ventilos. Faut que je les fasse tourner à combien? Sauf que j'ai fait une shift ici. Ah ouais, je suis emmerdé. Pour la ganterie, de toute façon, on a un accès au-dessus ou pas? Ouais, on va pouvoir tirer d'ici la ganterie, donc ouais, c'est bon, on va servir de celle-là. On a juste à foutre. Pas comme ça. Trop chiant quand ça veut pas tourner dans le bon sens. Merci. Faisons un peu de place! Mettons un peu de lumière. Et là, va falloir trouver quelle vitesse. Et le mieux! J'aurais peut-être descendu de 1 plus bas. Pas plus simple pour aligner comme il faut. Hop. Je veux savoir si c'est dans le bon sens. Que ça souffle, c'est pas bon. Ça aspire. Jusqu'à quelle distance? 3 blocs, 4 blocs, hein. Normalement, 120... 16 blocs, on a dit, hein. Et le maximum, c'est 32? 128, hein. En fait, on a inversé alors qu'on s'en fout, il suffit juste de mettre un en négatif ici. C'est 20 blocs le max. Ok, donc un peu plus. En 92, ça devrait être bon. Un tout petit peu mou. En vrai, non, parce que ça peut péter ici. 192, c'est parfait. Let's go. Parfait, ça aspire tout. Ok, faut qu'on fasse tourner ces tapis maintenant. Eh ben regardez-moi ça, sauf qu'il tourne pas dans le bon sens, donc on va juste mettre une gearbox. Et on est bon. Et il faut qu'on fasse tourner l'autre. De la cobble. Ceux-là sont bons et... Le classico, double chaîne drive et gearbox ici.
Parfait! Nous avons des melons slice. Je me fais tabasse. En vrai, il faudrait aspirer un tout petit peu moins loin. Est-ce que ça vaut le coup de mettre genre... On se fait pas aspirer la gueule. Sauf que je peux pas le faire là, quoi. Protection enfant, hein. Là, ce qui peut être bien, c'est pour pas aller sur les... Les pistes. Je peux pas passer de l'autre côté. C'est vrai que si on met là comme ça, ça règle le problème. On peut pas se faire aspirer. Bien vu! Oh, les protections enfants, quoi. Voilà. C'est pas tout au même niveau, mais c'est pas grave. Impec, 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 impec. Donc, il nous reste ce côté-là. Donc, pareil, on va devoir relier à ça. Est-ce qu'on met une vitesse différente? Merci Bélid, merci au kiosque pour les subs. Chacun sa propre vitesse, mais je sais pas si je peux mettre. Ouais, ouais. Hein. Je pensais changer hein, d'un parce que je sais même pas si là il va vouloir on se connecter. Ah non. Stage 1 en 11 minutes et full stage en 33 minutes. Ouais, bah, aux œufs. On va pas faire ça tous les 33 minutes, on va la faire tourner en perma, comme ça, problème réglé. J'ai juste peur que quand on décharge, que la machine se bloque. Mais normalement, non, elle sera en fonctionnement. Vous voulez qu'on fasse une... On peut faire un délai, mais les délais, j'ai des mauvais souvenirs avec. Hein.
ces trucs-là, là. C'est l'extender ou c'est le... Non, c'est pas l'extender, c'est le repeater, je crois. Ouais, le problème c'est que c'est un short pulse. Non, pour ça je suis pas fan. Faut que ça marche. Pour mettre un... les 5 minutes. En 5 minutes, tiens, ça balancera un tic. Reste que j'ai pas fait les tapis. J'ai remont speedo, speedomètre. Les tapis, je les aurais bien fait sur... Je crois qu'ils tournent à la même vitesse. Hein. J'ai mis 64, mais ça tourne à la même vitesse. Hein. Bon, c'est pas grave. On va régler un jour si on veut. On va dire... Je crois que c'est pas dans le bon sens. Ah, c'est bon. Yeah! On arrive au bout. Ça va récolter moins que à la fortune, mais en vrai, on y est presque. J'en ai encore de ces trucs là, j'en ai plus beaucoup. Hein. Ah, il me faut de la framée de glace là, je sais pas trop quoi. Ça, on a ça dans Déco Vanilla, framée de glace. Ramé de glace. Ramé de glace. Et... Oh, on n'a pas assez de... Ouais. Voilà. Hop. Perfecto. Oh non, pas besoin de couleur de maintenance derrière. Bon, donc tout ça, c'est bon. Il nous reste qu'une seule chose. La Netherwart, il faut qu'on la ramène ici. C'est sur le tout premier. Donc la Netherwart, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit chemin ici. Et à partir de là, on peut faire un bras. Ok. Il faudrait faire un chemin de 2 de haut, hein, plutôt.
Ok. Youhou, jusque-là. Yeah! Et hop. Là, on peut pas passer. Donc, un bras mécanique. Une usine au bras mécanique, ce serait bien, il m'en faudra au moins deux. Et du coup, on prend ici et on dépose là. Et on va le mettre ici, le bras mécanique, parfait. On aurait pu limite le mettre à la place d'un de ça. Hein. Bon, ça passe. Voilà, parfait. Et le dernier bras mécanique. C'est pas finito puisque nous allons devoir prendre en sortie ici en dessous et faire un peu de craft. L'or arrive ici. On peut mettre un dépôt ici ou ça risque d'aller too much sur le dépôt? Question que je me posais. Est-ce que si le dépôt est plein, ça attend? Ah, pour avoir de la couleur violette, je lui passerai le setup, ouais. En fait, je sais pas si je mets un... On va faire un test. On va faire un test, ça va être plus simple. Ouais, pour Antoine, je verrai. Mais là, on finit ça, on est focus. Pourquoi j'ai de la stone ici? C'est de la merde. Où sont mes dépôts? J'en ai beaucoup, mais je ne les vois plus. J'ai de la cobble. Si vous voyez les... Ouais, ils sont là. En fait, si je fais ça, est-ce que si ça overflow les problèmes ou pas? Pour ça, on va prendre... Super. Soit rapide, mais voilà, comme ça on peut fermer en cas de besoin. Putain, mais j'en ai gardé que 12, donc là les 12 ça va les mettre. Mais si j'en prends, je sais pas moi, 72 de plus. Ok, non, ça... elles sont où? Basé où? Ok, elles sont bien là. Attendez, faut qu'on mette le craft. On va le faire au-dessus, le craft. Regardez, ça va être parfait. Dépôt. Petite sortie. Petit mechanical crafter de 3 par 3.
petit passage derrière. On devrait pas le mettre plus dans le mur. Ça c'est ok ou pas? Ah non, c'est ok. Il va falloir deux bras. Je peux pas tout faire avec un bras. Là déjà, je sais pas si celui-ci. On va le faire à la place de celui-là. Je pense que ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, parfait. 1, 2, 3. Je pense que ici c'est trop loin par contre. Donc on essaye. Ah, c'est trop loin. On va le faire ici. Ok bro, des bras partout. C'est cool. Ah attendez, mais il nous faut encore un bras. Il nous faut encore deux bras. Ok, c'est là où ça va être un peu plus tendax, mais on devrait y arriver. Ok. Take item from depot. Deposit here. Je sais pas si ça, ce bras-là. Ok, ici c'est bon. Et l'autre. Parfait. On va le mettre à côté l'autre. Ok, c'est bon, ça passe. On s'en fout. Pas d'importance. Ici, on peut boucher. On les verra pas, ces bras-là, mais c'est pas grave. Enfin, si, on les verra vite fait. C'est plus, faut que je relie cette merde maintenant. Je crois qu'on a une rotation max ici, qu'on peut utiliser. Ça a l'air. Hein. Ouais, c'est pour les roues. Ok, donc rotation max. Ah bah parfait, attendez, on en a une là. On va la faire par au-dessus. Hein. Ok, donc là, petite rotation max là. M'a mis des trucs dedans apparemment. Ok, je vais boucher ça. Et on va avoir besoin d'une autre rotation max. Ici. Donc on va cutter ici.
Voilà. Ça tourne. On peut tout reboucher. Là, ça fait joli si jamais on y vient. Il y a eu du quartz, je sais pas pourquoi, parce qu'il a dû tomber du plafond. Ah, on voit, j'ai envie de boucher là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc le melon, c'est ok. L'or, il faut mettre en route, c'est normal, on n'a plus qu'à faire sortir. Est-ce que j'ai besoin de mettre un cooldown? Non, parce que ici ça bloquera. Ici on produit. On a juste pas de stockage de. C'est le seul problème en fait, c'est que mon usine ici, elle tourne en flux tendu. Bon, après on a du stockage de melon, mais pas de ça. Mais logiquement, l'or on la produit rapidement, c'est pas un problème. Ça sera rigolo, ça va à son rythme. J'ai pas vu si ça, ça avait tourné une fois ou pas. Ouais, il nous reste quand même à relier. Eh ben, on parle du loup. Parfait. Netherwart. Ok, 8. Il n'y a pas d'usine à gold ici, c'est une usine à glistering melon, c'est pas la même chose. Il nous reste plus qu'à faire tourner ça. On a... ici, limite, envie. On doit pouvoir... Tac. Bon, ça coule pas trop. On a de la rotation ici, on va l'amener. Dans le bon sens ou pas? Non. Dans le bon sens. Pour fermer ici, par contre, need ça pour bloquer. Ok, et il nous manque plus que cette petite rotation de celui-là, mais on va aller la chercher là, je pense. Pourquoi j'aime pas Ast? On arrive au bout! OMG. Il tourne dans le bon sens. Double OMG. J'entends des trucs. Triple OMG. Ça, d'autofit des potions de heal. Vous voulez autofit des potions de heal? Ça n'a aucun putain de sens. Alors, les grandes questions. Netherwart, ok, ça c'est en petit. Ok, Netherwart, good. Par contre, ici, du coup, oui, on n'a pas les trucs d'or. Mais alors, pour ça, il suffit juste de faire glips, et c'est parti. Ça amène la... Regardez, ça prend la cobble, ça l'amène là-haut. Je le regrette presque qu'il tourne un peu trop vite, les trucs, mais bon, faut que ça soit optimisé. Là, on descend, on va produire suffisamment de blast, de sable pour faire des flacons ici. Et là, le flacon est transformé en... Le flacon, putain. Le sable est transformé en ce qu'il faut.
Par contre, on peut auto-refill dans l'inventaire, c'est le but. Je pense que là, il faut mettre une petite protection pour être sûr qu'il n'y a rien qui atterrit dessus. Pareil ici. C'est juste des protections. Par contre, wait, pourquoi ça s'est stoppé? Oui, parce qu'on n'a plus besoin de plus et il y en a ici. Ça a pas produit d'or ou quoi? Alors on est unlucky. L'or, c'est la production, elle est très basse. C'est vraiment ce qui va nous limiter, ça, je pense. C'est pour ça qu'il faudrait un... En vrai de vrai, il nous faudrait un petit stockage. Plutôt que mettre un tunnel, on va mettre un... Ouais, je change ça. Là, regardez, j'ai eu aucune nugget hein, pour l'instant. Il reste plus qu'à relier les pompes. Je sais pas comment faire. Ouais, créer de la potion. On peut la récupérer avec un bucket. Ok, là, ça... Ah, ok, ça en a créé une. Putain, c'est long. Ok, on va changer un truc. Voilà. On a le stock. Melon, c'est bon. Et ça en a un peu plus. Je pense qu'il faut qu'on fasse un petit stockage là. La solution, c'est virer le tunnel. Mettre un petit stockage. Un petit, hein, y a pas besoin de beaucoup. Hein. Un item vault ici avec en entrée. Par contre, ouais, non, l'entrée, je dois la faire ici. Hein, ça gênera pas. Donc l'item vault, je dois le faire ici. Et un item vault de combien? 4. T'as le moyen de le mettre ici? Oui. Ah merde. Et du coup... On va tout péter là si je fais ça. Je sais pas comment l'arrêter. On va mettre temporairement genre... Bon. Voilà, ça y a rien qui va sortir là. C'est juste temporaire. Wait, what? Oh, il a déjà récupéré. C'est vrai qu'on pourrait mettre funnel, barrel, funnel, mais... En train d'éjecte. On peut péter ça. Ouais, en soi, on peut mettre... Oui, en fait, on pouvait ne rien bouger. Bon. Ouais. Parce qu'un barrel de stockage, c'est largement suffisant. Bien vu. Il me faisait n'importe quoi. Allô? C'est trop fort cette merde! Non. Oui, il y en avait encore là-dedans, je crois qu'on va. Bref.
Pourquoi ça saute par contre? Non, je les ai pas récupérés. Pourquoi le melon sautait? Attendez, ça a l'air d'avoir marché. Oui, 4 glistering melons. Bah, je sais pas comment je... Non, le tapis, je l'enlève pas parce que il est entraîné, je crois, de l'autre côté, je suis pas sûr. Pas important, de toute façon, ça passe pas. On va remettre en route. Hein. Et c'est reparti. Et là, normalement, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. On a pas beaucoup de Nether Wart, mais ça va faire au moins les premières potions. Je sais pas, par contre, comment on copie... Genre, comment je peux copier pour appliquer ici? Une fiole de potion suffit, ok. Donc faut que je remplisse le truc et je mets un coup de fiole dedans et c'est bon. J'arrive pas à savoir s'il les prend ou pas. En fait, je pense que c'est mes magnets qui récupèrent des trucs là. Notamment celle-là. Non, j'ai pas de quartz. Par contre, faut que je le ramasse avant qu'il arrive pour planter. On va juste voir si ça fait des nuggets. Ça par contre ça n'a rien à voir à faire ici. Par contre on peut mettre les lampes. Heure du mat. Dormir. Où les lampes? Où sont mes lampes? Avez-vous vu mes lampes? On va mettre respect data on. Hein. De plus. Non, non, le bras, ça l'a pas baisé d'avoir retiré le dépôt, il en a mis. Si le dépôt est bouclé, le melon va sauter. Comment ça, je comprends pas. Là, s'il y a quelque chose, il le crafte pas, non? C'est comme un tapis, il le descend pas. Non? Et ça, c'est full. On peut faire l'essai, hein. Non, il crafte pas et fait pas sauter, il descend pas, c'est comme les tapis, hein, même principe. Hein. De toute façon, on va voir, il va remplir à 16. Ah, c'est bon. Il est en attente. Il est juste en attente. Pas de panique. Tout va bien. Là, par instant, ça fait de l'or. Voilà. Impeccable. Ok, donc c'est tout good. On va commencer à mettre en route la machine. Ça démarre ici. Donc il suffit juste que je mette de l'eau dedans. Et... Il ne veut pas, pourquoi? Ah les Blaze Burner! Putain mais quelle bande de blaireaux, il manque ça évidemment, on n'a pas fini. Ok ça va, il n'y en a pas pour longtemps. Ah mais oui mais on n'a pas fait l'alimentation en lave! Je vais péter un câble. Eh oui non, c'est pas fini du tout.
On va les faire manuellement en lave ce soir. Hein. 3, 4. C'est quoi, on va faire plein là. Plein de blaze burner. Fais-moi devenir fou un peu. Hein. C'est là. Non, parce que j'ai pas du tout fait le système de lave, mais je le ferai plus tard. C'est pas. Je l'ai toujours ou pas? J'aurais pas la satisfaction d'avoir fini mon usine, mais j'aurais la satisfaction de dormir. Et je. Ah bah... Blaze. J'espère qu'il n'y en a pas qui l'avaient. Rip. Désolé les gars. Les spawners à Blaze sont là, je crois. J'en ai posé un, ce qui me semblait. Ciao, ciao, c'est ciao. For you. Bah merde, c'est la faute à qui? Putain, un monde qui fait laguer. Con, cette personne qui fait laguer là. Ok. Bon bah il nous restera ça à faire effectivement. Comment je peux récupérer la Anquart potion? C'est ça que je sais pas. Marche, je fais ça. Oui. Ok, nice. Donc là, si on fait ça, et qu'on met un pipe. Ok, ça a marché. Donc là, on a de la Anquart potion. Il suffit de l'allumer, du coup. Oh, c'est incroyable. Vous entendez le bruit ou quoi? La potion of healing qui va aller ici. Normalement. Oui, elle est là, regardez, avec la glowstone. Ok, on allume celui-là. Ok, on va devoir la faire à la mano, celle-là. Fuck. Bon, on va clear cette merde. Knockback résistance. Il faut qu'on mette un recipe filter. C'est chiant. De la glowstone. On va piquer de la glowstone là.
Donne ta petite glowstone, mec. Combien il en a? Oui, il faut que je filtre le recipe filter. Mais de toute façon, là, je vais faire aussi recipe filter. Ça, on évite les embrouilles. Ouais, ça marche. En train de remplir. Tranquillement. Comment je peux faire manuellement? On va y arriver. Au secours. J'ouvre toutes les portes. On aère un peu là. Non mais casse et remettre, c'est bien joli. Mais il faut que je mette le filtre sur le truc. Et toi, il va encore râler que ça lag. Je crois que j'ai un dealer de cheat là. Gros, dis-moi. Yes, il y a ce qu'il faut. Pas fou, ça fait. Pourquoi ça fait un autre type de potion? Il y avait peut-être. Non, il y avait pas autre chose dedans. J'espère que ça va faire la bonne là, j'ai un peu peur de ça. Ok, non, c'est bon. Oh. Ah, mais c'est étoile là qui explore! Bah voilà, QNPC 9. Ah, deux glowstone égale knockback résistance, c'est peut-être ça, vous avez raison. Non, non. Connerie. Problème réglé. Ok, il a mis dedans. Il dit que c'est de la potion of healing, ça rend bizarre. Ok, ça marche. C'est de la healing 2. Ok, la healing 2 arrive ici et elle arrive avec de la gunpowder. Et il n'y a plus qu'à mettre ça et normalement ça devrait marcher. Ok. Oh, oh quelle vie. Et Théma, devant vos yeux ébahis. Tada! Oups. Il y a un tuyau qui est parti. J'aurais pas dû. Oh. Bon, il manque que le truc de la lave, mais c'est vraiment pas une partie compliquée. Il est vraiment trop tard. Ok, pour faire simple. Faut qu'on fasse un bouton on-off à cette usine globale, par contre c'est important. Et je ne vois plus, mais voilà. Avec un dépôt hein, obligatoire. Je ne vois plus mes dépôts, je ne vois plus rien, il est là. En vrai, il faudrait déposer dans un sac à dos. Tu prends le giga backpack. On peut mettre en fait on va mettre une chute mais faudrait faire une petite trappe là. On va faire que pour moi je pense hein.
peut faire une trappe sécurisée. Hein. Je fais ça. Et... J'ai la cobble qui se remet en route, tiens. Ça laguait pas assez. Quoi, quel filtre du pipe? Je l'ai mis. J'ai pas mis. Intéressant. Ils ok en soi. Ça m'a fait que des splashs. De toute façon, il n'y a plus de glowstone. Je pense que ça m'a fait que des splashs. Ça m'en a fait 48 quand même. Hein. Donc là, il manque de la glowstone. On va en remettre un coup. Ça lag à cause de ça. Parce que j'ai pas besoin des smarts, parce que normalement, en pompant, ils pompent pas ce qui peut entrer, mais j'ai un doute. Et regardez le stock de... Et en fait, tout va se remplir au fur et à mesure, et bon, l'eau, on en amasse. Ben là, on a plus de Nether Wart, vous voyez. On a du Glistering, mais plus de Nether Wart. Et hop, ça en refait. On a l'impression de voir flou. C'est des stacks entiers qui sont sortis. On va les sortir que une par une, s'il vous plaît. C'est juste que... Ça fera un peu moins laguer. Oh, je dois foutre ça. Du coup, vanilla, let's go. Visuellement, l'usine est très cool. Voilà. C'est juste là, je pense. Non. Peut-être faudrait qu'on... Et il faudrait faire un endroit sécurisé pour ça. Est-ce qu'on peut faire... On peut faire une trapdoor sécurisée? Je crois que j'en ai, hein. Security craft. Je veux pas la mettre. À cause de ça? Voilà. Pour éviter les conneries. En vrai... Ouais. Faut que j'en remette une ici. Ou un bloc ici. On peut pas l'ouvrir? Oh, c'est chiant. En vrai, on va faire une... une autre solution. Fuck, c'est trop plein ça aussi. Elle est où mon outil pour tout casser? Je vois plus. Non, ici on peut laisser en...
Faut que je mette une security d'or classique. Je sais pas si j'en ai. Oh, scanner d'or, c'est très bien, ça scanne que moi, je crois. Hello, IPR. Hello, it's me. Voilà! Bon là, qu'est-ce qui manque? Pas la gunpowder, pas la glowstone. Voilà. Là en quartz c'est bon, mais il manque l'or maintenant. Et ce truc là sera jamais plein en fait. Hein. Je sais pas si ça se ferme tout seul. Finit par se fermer tout seul. Après, bon, voilà, on peut regarder vite fait par là, mais... et combien on en a, du coup? Bah, on en a 160... Là, on en a fait 164, ça va vite. Et du coup, il suffit de la mettre en autorifil... On va enlever les sticks en autorifil et ça. Il suffit de faire ça en autorifil, d'activer la refill upgrade, et on a constamment... On peut constamment se heal. N'importe quoi. Trop marrant. J'ai un peu de comment ça se fait que j'ai de la glowstone dust? J'ai pété un truc. Merde, c'est pas ça qu'on doit mettre. On peut la mettre manuellement. Ah ouais, non, il y en a plein. Est-ce que c'est parce que... Ouais. Ah, ou je l'ai récupéré ici, j'ai dû cliquer au-dessus sans faire exprès. C'est quand j'ai cassé le bassin, exact. Eh ben, c'est cool! C'est vraiment très cool, ça marche vraiment très bien. On va vraiment très ranger ça. C'est vraiment le bordel. J'ai trop de trucs là-dedans, va falloir que je trie. Hein. Trucs que je peux jeter. C'est beau. Bah content d'avoir réussi à faire cette usine. Celle-là, elle était big et surtout, elle est très compacte, donc je suis plutôt content. Voilà, ça s'est rempli, ça a switch. Et faudra, je vais juste faire un bouton on-off, mais pour l'instant, je veux qu'elle tourne. Je vais rester AFK pour que ça récolte ça. Est-ce qu'il y a des matures là? Parfait. Oh non non, j'ai pas le temps de montrer là ce soir. Ouais. Oh, par contre, on a du stock. Hein. Ouais, il y en a 64 plus 42. Vous voyez, ça les aspire, ça les ramène là-bas. Hop, là, il y a l'autre usine. Il y a l'autre truc qui vient de se déclencher. Marche très bien. Hop, qui est en transfert. Et ça, c'est reparti, ça va refaire des popos. Par contre, il y a... Voilà, y a un au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que il y aura plus de glowstone ou de gunpowder. Je pense que c'est surtout la gunpowder qui va être la limite. Mais voilà. Non, non, là, je vais dormir. Je vais dormir. On va se mettre dans un coin. On va se mettre dans une petite cage, là. Pour éviter de se faire...
Oui, pomme, non, mais je montrerai plus tard, pomme, les gars, il est 2h30 du matin, vous êtes gentils, mais... On va dormir. Voilà. Je tourne tout seul. J'ai bien... J'ai juste un doute. Je crois que c'est OK. Et ça. Pourquoi elle reste ouverte? J'aime pas la scanner d'or. Ok, c'est allumé. J'ai envie de changer la scanner d'or. Je suis pas fan. On va mettre une d'or classique. De toute façon, j'ai des renforcers d'or. Le scanner d'or, je trouve c'est à chier. Il faut juste... Ah ouais, c'est trop chiant. Faut mettre un keypad. C'est bizarre. J'étais persuadé d'avoir une autre... d'or. Non, mais sinon on va mettre une renforcée d'or. Ok, ouais. Bon, je sais. Hop. Et on va prendre... Ah, problème résolu. Voilà. Là, c'est bien loqué. J'espère juste que personne... C'est la seule chose qui me fait peur, c'est que quelqu'un peut atteindre depuis ici. On peut pas... En vrai, on va le mettre de l'autre côté. Ce sera beaucoup plus clean. Ah, personne peut atteindre. On peut virer ce bloc là, ce bloc là. On peut remplacer par ça, par ça. Et comme ça, on voit pas. Et comme ça, c'est beaucoup plus clean. Voilà! Allez, bonne nuit à tous, tchuss. Nous on se retrouve peut-être dimanche soir, mais c'est pas sûr du tout. Sinon lundi soir, ou mardi soir, ou dans la journée, je sais pas, je vous dirai ça. Donc le derrière du hopper, hein. Non, on se sécurise, c'est bon. Allez, tchuss, bonne nuit.